J'ai peur d'oublier de vous le dire, alors je vais vous le dire maintenant, même si c'est pas tout à fait bon, ça fait rien. Je pense que, bon, moi ça fait pas longtemps que je suis en politique, ça fait 5-6 ans, donc je suis un bisu là, je suis un bleu. Et je vois tous les copains que je me fais en politique, là, tous les gens que je rencontre, à gauche, au centre, à droite, enfin soi-disant à droite, enfin, peu importe. Tous ces gens-là, ils se bagarrent pour le bien commun. C'est des gens bien, tous ces gens-là, qui cherchent l'intérêt général, à satisfaire mieux l'intérêt général. Ils se battent tous contre les injustices sociales. Tous ces gens que je connais, de tous les bords, là, simplement, il y en a qui se battent sur le zéro nucléaire. Pour eux, le plus important, le plus urgent, on va mourir, il faut se battre contre... Donc c'est ça le plus important pour eux. Et pour eux, le gars qui se bat sur la corruption, enfin contre la corruption des élus, mais qui a vraiment des pro-nucléaires, c'est le diable. Mais c'est idiot, parce que même si on arrive à... Alors en même temps, il y en a d'autres qui se battent sur la destruction des écoles. C'est affreux, on nous détruit les écoles, on nous détruit les postes, on nous détruit les hôpitaux partout dans le pays. Les campagnes se désertifient, on traite mal nos agriculteurs. Les campagnes se désertifient littéralement, et ils se battent là-dessus. Ok, super. Il y en a d'autres qui se battent sur le... sur la monnaie, sur la création monétaire, et qui considèrent, ils ont raison, que c'est super important la création monétaire, c'est-à-dire qu'on a abandonné la création monétaire, on s'appauvrit, tout devient difficile parce que nous sommes pauvres, on a mis en place une rareté qui nous étrangle. Ils se battent là-dessus, ils considèrent que c'est essentiel. Ce que je voudrais vous dire, c'est que quand j'observe tout ça, et que je participe à ces débats, je les partage, c'est pas du tout contradictoire ce que je veux dire, c'est complémentaire. Il me semble que toutes ces luttes sociales que j'observe, elles consistent à se battre sur les branches, sur les conséquences. La catastrophe écologique, ça n'est pas une cause. C'est quand on cherche la cause des causes. La catastrophe écologique, elle est rendue possible par notre impuissance politique. Oh, je suis sûr que si vous interrogez les gens autour de vous, même les gens qui ne sont pas politisés, ils vont vous dire qu'il faudrait régler ce problème. Nous devrions résister. Nous sommes tous prêts à résister. Mais nous n'avons aucun moyen de résister. Nous sommes impuissants politiquement. Et vous allez voir que cette impuissance politique, donc c'est une cause. Déjà, ça me paraît plus malin de se battre sur cette impuissance que sur la catastrophe écologique, la corruption des élus, l'injustice dans le droit du travail, dans l'entreprise, cet extravagant droit seigneurial du propriétaire sur les gens qui travaillent. C'est une façon de se battre, ça. Enfin, c'est une raison de se battre. Mais c'est une conséquence. C'est pas la cause. Le travail sur l'eau, l'appropriation de l'eau par des multinationales, c'est extravagant, il faut se battre. Mais ça, c'est des conséquences encore. Et tout ça, il me semble que la cause, et après ça, il faut remonter, parce que la cause elle-même a encore une cause, et qu'il y a encore une cause, il faut remonter à la cause des causes. Si nous arrivions à retrouver une cause déjà commune, et ensuite à remonter de cette cause à la cause qui la rend possible, et si on arrive à trouver quelque chose qui est central dans toutes les injustices sociales, et qui est... déterminant, qui détermine, c'est-à-dire que si ça existe, les injustices sociales seront possibles, et si ça n'existe plus, elles ne seront plus possibles, ou elles seront très limitées. Et on a trouvé quelque chose de très important, parce que à la fois, on trouve le moyen de vraiment régler le problème, parce que quand vous n'êtes pas sur l'écologie, vous êtes sur notre impuissance politique, mais vous avez fait le lien. C'est parce que si vous battez moins sur l'écologie directement, mais plus sur votre impuissance politique, vous continuez à vous battre sur l'écologie, d'ailleurs c'est pas incompatible, on peut se battre sur les deux. Mais si maintenant vous battez sur l'impuissance politique, parce que vous avez fait le lien, vous êtes aperçu que si les multinationales arrivent à se goinfrer dans ça, alors qu'on les voit et on proteste, mais on ne peut que protester, on n'a pas de pouvoir politique. Si vous faites le lien avec ça et vous dites, non mais ok, je cherche la cause des causes et je m'en prends à cette cause. Vous allez vous apercevoir que l'autre qui a fait le même travail intellectuel, lui il travaillait comme les pinsons Charlot, il travaillait sur la corruption, sur le mode de vie des riches et sur la façon dont les riches arrivent à circonvenir les pouvoirs politiques pour
finalement faire voter des lois qui leur sont favorables. Donc tout ce travail de corruption d'une partie des résistants, si eux, en plus de ce travail-là, c'est très important pour comprendre quelles sont les conséquences, mais si en plus ils se mettent à se battre eux aussi sur l'impuissance politique. Et puis vous avez encore les réseaux nucléaires, etc., vous avez tous les résistants là, qui se disent, mais finalement, si nous avions une puissance politique, nous pourrions enfin résister, alors que toute leur vie, moi je vois ces vieux résistants, ils sont bien plus valeureux que moi, ils ont passé toute leur vie à résister pendant que moi je m'occupais de mes affaires. Et ils allaient sur les marchés, ils balançaient des tracts, ils avaient autre chose à faire mercredi que d'aller sur le marché, mais tous les mercredis ils vont distribuer des tracts, ils organisent des réunions, ils se bagarrent, et ils sentent bien qu'on n'y arrive pas comme ça. Ils sentent bien que même les scores de nos élus qu'on voudrait voir gagner, ils diminuent. Alors quand ils m'entendent, quand je leur dis, mais attends, il y a un truc qu'on peut faire mieux là. Si au lieu de se battre et de se diviser, parce qu'il y a tellement de branches d'injustice sociale qui viennent de notre impuissance politique, il y a tellement de conséquences différentes. Chacun d'entre nous qui mettons de l'énergie, et on n'est pas nombreux, hein, les gens qui font de la politique, c'est quoi? C'est 1% dans la population. 2-3%, c'est pas beaucoup. Mais si en plus on est divisé, parce que chacun on a pris des conséquences qui nous paraissent graves, et ce qu'il trouve grave lui, bah, c'est pas la même chose que ce que lui trouve grave. Et non seulement on s'en prend aux conséquences, c'est-à-dire que si on arrive à régler le problème, on n'aura pas réglé les autres problèmes, on aura... et puis en plus ça va repousser, parce que la racine est toujours là. Vous coupez la branche, mais ça va continuer à pousser. Donc, si vous prenez le problème à la racine, si nous étions radicaux, en prenant le truc à la racine, au lieu de couper les branches, on s'occupe de la racine et on fait d'une pierre deux coups. On a trouvé la cause des causes et on va se débarrasser de tous les problèmes. Et on fait même trois coups parce qu'en fait, comme on a tous fait ce travail intellectuel en disant, mais bon, prenons les choses logiquement, on va s'en prendre à la racine, comme ça on va régler tous les problèmes d'un coup. Et on va s'occuper de notre impuissance politique. Où est programmée notre impuissance politique? J'y reviendrai tout à l'heure, mais vous me voyez venir, puisqu'on en a parlé un petit peu. Si, en plus, troisième fois, nous serions unis. Non, mais il y a un enjeu énorme là-dessus. C'est une super bonne idée, ça, je crois, hein, de prendre le problème par... Alors, je sais bien, on pourrait me dire, ben, Chouard, t'es gentil, mais c'est ta lubie à toi. Voilà, lui, sa lubie, c'est le nucléaire, lui, sa lubie, c'est la corruption d'entreprise, et toi, ta lubie, c'est la Constitution. Oui, ben, ok, peut-être, c'est vrai. C'est vrai, peut-être que c'est... Mais il me semble que, dans la logique, je partage complètement la lubie, hein, c'est-à-dire la priorité de chacun. Je trouve qu'elles sont belles, ces priorités. Hein. Le gars qui se bagarre sur la monnaie, là... Il fait un boulot, il défriche, il nous permet de comprendre qu'est-ce qu'on va mettre à la place quand on va reprendre le contrôle de la création monétaire. Vachement utile ce qu'il fait. Hein. Et d'ailleurs, André Jacques, on en parle tout le temps, il est d'accord avec moi. Donc il a intégré ma pièce de puzzle comme moi j'ai intégré la sienne, et on est plus fort. D'ailleurs, il ne s'est pas appauvri en me donnant son idée, je ne me suis pas appauvri. En fait, c'est génial avec les idées, c'est quand on se les donne, on ne s'appauvrit pas, on s'enrichit mutuellement. Mais ce que je veux dire, c'est que. En nous concentrant sur la cause des causes, en appliquant le conseil d'Hérodote, et en cherchant la cause des causes, tous, chacun avec nos priorités actuelles, en intégrant le fait que, mais finalement, c'est vrai quand même que ce qui fait que nous n'arrivons pas à nous débarrasser des injustices sociales, c'est que nous tous, à part les élus, et ceux qui achètent les élus, tous nous sommes impuissants politiquement. C'est quand même décisif pour rendre possible les injustices sociales. Et les laisser perdurer. Mais c'est pas parce que ça a été comme ça pendant 200 ans et même 2500 ans, c'est pas parce que ça a été comme ça pendant des milliers d'années que ça sera toujours. C'est une question de conscience. Moi j'ai l'impression qu'on est dans la préhistoire de la politique, qu'on est comme des enfants. Bon, les enfants, on est insouciants, on n'a pas encore bien réfléchi, mais c'est pas pour ça qu'on va pas trouver. À mon avis, avec l'expérience accumulée, avec un guillemin qui t'explique, mais tu comprends que ce régime-là, tu remets les choses à l'endroit, et si ça se trouve, grâce à des outils qui n'étaient pas disponibles autrefois, parce que ben, ils n'avaient pas la télé, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas... Internet, c'est super important. Hein. Internet, c'est bon, c'est une technique, c'est un tas de ferraille, mais c'est un tas de ferraille qui nous donne... quelque chose qu'on n'avait jamais eu dans toute l'histoire des hommes. Vous vous souvenez, depuis
dans toute l'évolution des humains, l'invention de la presse, l'invention de l'imprimerie, ça a permis au peuple, au pluriel, de lire. Donc de découvrir un savoir, donc de progresser, de faire des pas de géant dans l'apprentissage. On apprend plus vite grâce à l'imprimerie, parce que nous avons le pouvoir de lire. Mais nous ne pouvions lire que ce que d'autres avaient écrit. Et d'autres, c'était une élite. Et une élite au sens, avec ou sans guillemets, ça pouvait être une vraie élite, des gens bien. Mais nous n'avions que le droit de lire. Parce que pour écrire, il y avait un ticket d'entrée qui n'était pas pour nous. Pour nous, la multitude. Avec Internet, c'est probablement aussi important que l'imprimerie. En tout cas, l'idée, je trouve que c'est plausible. On ne sait pas encore, ils vont peut-être le couper. Hein. Mais avec l'Internet, on a le peuple, c'est-à-dire que les gens normaux, les 99% avec Internet, accèdent au droit d'écrire. Et donc de court-circuiter des élites éventuellement oligarchiques, ayant capturé le pouvoir et l'exerçant pour leur compte, pour leur intérêt et contre l'intérêt général. Et donc l'Internet, dans cette optique-là, c'est un outil extraordinaire pour nous former, d'auto-formation, de formation populaire, en court-circuitant nos élites, en générant nous-mêmes l'expert de ceci, l'expert de cela, et en s'apprenant, c'est incroyable le nombre de trucs que m'a appris André Jacques, le travail André Jacques Holbecq. Je vais vous montrer dans son bouquin. Il écrit plusieurs bouquins. Ce très bon petit bouquin, une très bonne préface, vous verrez. Il m'a demandé de faire la préface, c'est super, j'étais très, très fier. C'est un super bon bouquin, c'est un petit bouquin, donc c'est facile à lire sur la dette. Et donc André Jacques, le travail qu'il a fait sur la monnaie m'a fait énormément progresser. Et sans l'Internet, je ne l'aurais pas connu. Alors, dans mes parenthèses, j'étais parti sur les redotes sur la main. Je me suis fait un petit fil quand même. Hein. Bon, c'est pas un gros fil, hein, mais bon, je me suis fait un petit fil des grands. Il faudrait qu'on parle. Alors, on va commencer à mettre un petit peu à l'endroit le mot démocratie. On va peut-être le mettre très correctement à l'endroit. Je vais d'abord désinguer l'élection avant de décrire la démocratie athénienne. Je vais essayer de faire vite sur la démocratie athénienne, parce que en fait, je peux tenir une heure, deux sur la démocratie athénienne, mais il ne faudrait pas. Ce qu'il faudrait, c'est, comme je disais, c'est que vous puissiez me dire ce qui vous fait peur là-dedans. Et puis je puisse vous rassurer. Mais sur l'élection, comment se fait-il? Ah oui, j'ai retrouvé le fil que je n'avais pas fini. Comment se fait-il que dans toutes les constitutions du monde, on organise l'impuissance des gens? C'est que, c'est pas un complot, on organise l'impuissance des gens dans ces constitutions, parce que ceux qui ont écrit ces constitutions, partout dans le monde, à toutes les époques, ceux qui ont écrit ces constitutions, c'était toujours des professionnels de la politique, des parlementaires, des ministres, des juges, des hommes de parti. C'est des hommes qui se projettent dans l'avenir et qui savent qu'ils vont bientôt être dans les pouvoirs qu'ils sont en train d'instituer. Alors ça, c'est super important, ça. Je lis beaucoup, hein, de Aristote à Castoriadis, toute la palette, tout ce qui... Je ne dis pas tout le monde, je lis ceux qui parlent des pouvoirs, des abus de pouvoir, la résistance aux abus de pouvoir. Donc, et dans la littérature que j'ai découverte pour l'instant, je ne trouve pas cette idée centrale. Ça, c'est Schwarzbeck. Enfin, en tout cas, en faire quelque chose de central, en faire une épine dorsale, quelque chose qui va nous libérer... Je trouve que c'est Schwarzbeck. Je cherche de quoi m'étayer, de quoi m'appuyer sur quelqu'un. Il y a un grand bonhomme qui l'a dit, ça m'aiderait. Je ne trouve pas pour ça. Mais pourtant, vous allez voir, j'ai la logique avec moi. Je prétends que toutes les constitutions du monde programment notre impuissance politique, donc ne programment pas le référendum d'initiative populaire, ne programment pas la séparation des pouvoirs, ne programment pas la reddition des comptes, les mandats courts, non renouvelables, ne programment pas le respect du vote blanc, ne programment pas, etc. Donc ça tient sur deux mains, même pas. Hein. Vous voyez, une main, il n'y en a pas 10 des grands principes dont nous avons besoin. Donc c'est facile à comprendre ça. On va y revenir quand on parle de la démocratie, mais on ne trouve pas ces grandes protections du pouvoir du peuple. On ne trouve pas l'institution du pouvoir du peuple dans toutes ces constitutions. Parce que ceux qui l'écrivent ont un intérêt personnel à ce que ça ne soit pas écrit.
C'est mon explication. Avec un mot important que je vais ajouter, ces personnes-là ne sont pas corrompues, ce n'est pas des affreux, c'est pas des, c'est peut-être des affreux, des corrompus en plus, mais c'est pas même des gens bien, même un parlementaire honnête, au moment d'écrire une constitution, il est dans une situation que nous devons absolument connaître, on reconnaît cette expression, ils sont en situation de conflit d'intérêts. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pourris, pas du tout. Je ne dis pas ça. Conflit d'intérêts, ça veut dire qu'ils ont, dans cette occurrence-là, dans cette situation précise-là, pas ailleurs, là, dans cette situation, au moment d'écrire une constitution, ils ont un intérêt personnel qui vient polluer la possibilité de justice, leur recul et leur détachement par rapport à l'intérêt général. Un peu comme, et cette image est importante, pour quand vous allez devoir... Si vous devenez, comme je vais vous le demander, si vous devenez des virus, pour que cette idée, nous la portions, il faut qu'on la porte, sinon on n'arrivera à rien. S'il n'y a que moi qui dis ça, c'est comme si on perd son temps. Enfin, c'est intéressant, ça vous amuse, mais on ne changera rien. Alors que si on se met à la porter tous, on va changer quelque chose. Ça va faire une boule de neige, un truc qui peut vraiment tout changer. Mais il faut que vous deveniez des virus. Enfin, des virus de globules blancs, il y a plusieurs expressions. Maudite parenthèse. Que je disais avant de dire que conflit d'intérêt, merci. Le juge, vous allez comprendre, donc, quand vous allez devoir expliquer ça, vous allez pouvoir vous servir de cette image qui est très parlante. Prenez un bon juge, un juge vertueux. Je ne vous parle pas d'un affreux ou d'un fumiste, je vous parle d'un bon juge. Quelqu'un... Vous vous êtes préoccupé de l'avoir rendu indépendant pour être sûr qu'il n'était pas, qu'il n'avait pas besoin d'argent, qu'il n'allait pas subir des pressions. Vous l'avez rendu indépendant pour qu'il y ait toutes les conditions possibles pour qu'il soit juste. Et il est effectivement juste. En plus, il a de la vergogne, il a un sens du bien commun, il se donne du mal. Voilà un bon juge. Ce gars-là, dans le rôle, dans le planning de son tribunal, arrive son propre enfant, qui est dans une affaire. L'enfant est victime ou l'enfant est accusé. Peu importe. Voilà son enfant qui arrive. Tout le monde sur Terre comprend le conflit d'intérêts qu'il y a à ce moment-là. C'est-à-dire que ce juge-là, il est très bon. Mais on va, pour cette affaire, on va le récuser, c'est le mot. Récuser. Récuser, ça ne veut pas dire déshonorer, ça ne veut pas dire que tu es pourri, tu es mauvais. Ça ne veut pas dire ça du tout. Ça dit, dans cette affaire-là, tu ne peux pas rendre la justice. Tu es juge et parti. Tu es en conflit d'intérêts. Donc, pour cette affaire-là, on va, toi juge, toi bon juge, on va te mettre à l'écart, on va en mettre un autre. On va mettre quelqu'un d'autre. Et puis ensuite, tu reprendras ton boulot de juge. Vous comprenez ce que je veux dire? Conflit d'intérêts, ça ne veut pas dire corruption. Ça veut dire qu'il y a une situation que nous devons nous connaître. Nous devons faire très attention. Les anglo-saxons connaissent mieux le concept de conflit d'intérêts que les Français. Nous, on est complètement inculte, on ne connaît pas ce truc-là. En tout cas, pas bien. Et dans le sujet qui nous occupe ce soir, c'est très, très important. Je reprends. Au moment d'écrire, vous avez compris, vous vous souvenez, le peuple, les pouvoirs qui écrivent le droit, qui apaisent le peuple et auxquels le peuple se soumet, pouvoirs qui sont bénéfiques et dangereux, et assez double tranchant, c'est les mêmes gens, hein, ils sont à la fois bénéfiques et dangereux. Et donc, on met au-dessus d'eux un texte supérieur qu'ils doivent craindre, ils doivent avoir peur de la Constitution. Je risque la punition, je risque d'être déchu, je risque d'être puni par ce qui est prévu dans ce texte. Il faut qu'ils aient peur de la Constitution, il faut que ça les affaiblisse, ce texte-là. Est-ce que vous comprenez que ces gens-là, même s'ils sont vertueux, même s'ils sont délicieux, ils sont gentils, c'est des braves gens, au moment d'écrire ce texte-là, si c'est eux qu'on met pour écrire le texte qu'ils doivent craindre, vous comprenez la situation de conflit d'intérêt? Et ça, je suis le seul à le défendre. C'est quand même étonnant, ça, non? Il me semble qu'on devrait être plus nombreux. J'aimerais bien que rapidement, je ne sois plus tout seul et qu'on soit nombreux à dire « Il y a un truc qui doit... » La prochaine fois qu'on fait ce qu'ils ont fait en Tunisie, quoi. Ils n'ont pas fait en Tunisie. Ils n'ont pas réfléchi avant et ils ont élu leur assemblée constituante. Ils l'ont élu parmi des candidats imposés par les partis.
imposée par les partis, c'est les mêmes. C'est-à-dire que vous allez avoir, imaginez, vous avez une assemblée constituante aujourd'hui, qui vous allez avoir parmi les candidats? Qui vous allez avoir? Vous allez avoir le PS qui présente des candidats, l'UMP qui présente des candidats, avec tout le battage de la presse, de Dassault, de Lagardère, vous allez avoir de Bouygues, de Bolloré, vous allez avoir les télés, vous allez avoir les copains de ces gens-là qui font un battage du diable, ils vont être élus. Donc vous allez avoir des professionnels de la politique qui vont écrire la Constitution qu'ils devraient craindre. C'est comme ça partout dans le monde. Et en Islande? Alors en Islande aussi, un peu moins. En Islande, il y a eu le tirage au sort de deux chambres avant, mais des chambres, alors ce sont des politiciens qui ont mis en place le régime, enfin la procédure qui a eu lieu en Islande. Ça a commencé par deux chambres tirées au sort, une première tirée au sort pour dire qu'est-ce qu'on veut. Et ils ont dit, ben, on va faire une autre chambre tirée au sort qui dira exactement ce qu'il y a dans la Constitution, et puis après ça, il y aura une autre chambre qui sera élue et qui écrira la Constitution. Et c'est ça qui s'est passé. Donc il y a eu une deuxième chambre tirée au sort qui a dit « on aimerait bien qu'il y ait ceci et cela dans la Constitution ». C'est déjà pas mal ça, hein, c'est déjà pas mal. Mais c'est pas la panacée, c'est pas ce dont je vais vous parler tout à l'heure. Hein, et on pourrait rêver mieux quand même. Si nous imposions un processus constituant correct, ce serait mieux encore qu'en Islande, je pense. Parce qu'en fait, après ça, ils ont élu l'Assemblée constituante. Alors c'est une élection libre, hein, c'est mieux encore que les élections auxquelles on a l'habitude, parce que nous on est habitué à des élections dans lesquelles on nous impose les candidats. Et donc on nous fourgue, pas si mon expression, excusez-moi, on nous impose des gens qui ont un intérêt contraire, enfin qui sont jugés partis, quoi, hein, qui sont. Quand il s'agit d'élire des députés constituants, si ce sont les partis qui nous imposent des candidats, on va nous imposer 100% de l'Assemblée constituante, ça va être des gens qui sont en conflit d'intérêts. Alors, en Islande, c'est pas exactement ce qui s'est passé, parce que c'était une élection libre, donc il y avait un routier qui s'est présenté, donc tout le monde pouvait se présenter. Mais comme c'était une élection, ce sont plutôt des notables qui ont été élus, et les notables, c'est pas des révolutionnaires, quoi, ils vont pas tout changer, quoi. Donc ils vont probablement, enfin on verra, ils vont peut-être donner tort, mais bon, c'est intéressant ce qui se passe, hein. La constituante en Islande est en train d'interagir avec le peuple via les réseaux locaux, donc les gens... Ils sont pas très nombreux, ils sont 370 000 en Islande, hein, donc ils peuvent le faire. Et les gens écrivent aux constituants en leur disant « pensez à ci, pensez à ça », donc c'est très interactif, c'est très intéressant ce qui se passe.